Et donc salut tout le monde, c'est AftersGamer49. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que je sais pas que j'avais pas envie, c'est juste que je ne jouais plus trop à la PlayStation. C'est pour ça que dans le titre il y a marqué avenir de la chaîne, enfin si c'est ce que j'ai mis. Donc c'est une petite vidéo détente sur Skate 3 en disant ce qui va se passer prochainement. Hop là. Donc je reprends la PS3, je l'ai repris tout à l'heure là. En fait, je passe sur PC. Alors, certes, j'étais déjà sur PC avant. C'est juste que j'ai un PC tout pourri. Faut savoir que, enfin, je joue à certains jeux récents. Enfin, récents. Par exemple, j'ai Counter-Strike Global Offensive qui date de 2012. Il tourne, je tourne en faible dessus, donc c'est pas génial pour bien jouer, on va dire. Donc c'est pour cela que même d'autres jeux, j'avais MW2, je tournais bien mais seulement en faible. Du coup j'étais obligé de jouer, enfin tous mes jeux en faible, ce qui est très moche. Et certains jeux que j'ai acheté, genre MW2, Garry's Mod, et mon PC plantait, parce que c'est mon PC, c'est la grosse daube, on va dire. Mais heureusement, j'ai dans quelques jours, je commande mon nouveau PC. Donc c'est un... Oula, je peux dire pas. Enfin, dans 2 semaines, je commande mon nouveau PC. Donc c'est un PC gamer. Hein. Comme ça, je pourrais faire tourner tous mes jeux. Bon, à ce qui paraît... Enfin, je pense que oui, il peut tourner... c'est juste un exemple. Hein. BF4 en ultra. Ce qui est déjà pas mal. Enfin, je pense pas, en fait. Je ne sais pas. Faudra que je regarde la fiche technique. Peut-être BF3 ou un truc comme ça, enfin je sais pas, je verrai. Enfin, quand je l'aurai, je pourrais pas tester, mais voilà. Donc je pourrais jouer à tous mes jeux en ultra, enfin pour l'instant tout ce que j'ai. Vu que je joue à Counter-Strike en ce moment, je vais pouvoir jouer 3 fois mieux. Faut dire que j'ai des lags et tout, j'arrive mais 3 ans après dans les maps, hein. Des fois ça dépend. Et je peux pas aller sur des serveurs où il y a plus de 20 personnes, parce que mon PC mon PC n'arrive pas à tout générer, on va dire. Et du coup, il y a trop de joueurs. Du coup, ça accumule trop d'informations et voilà, du coup, ça lag. Mais c'est pour ça que bientôt, je ferai des vidéos essentiellement sur du PC. Sur PS3, j'en ferai toujours comme maintenant, là. J'en ferai toujours, mais sur d'autres... je sais pas, je verrai ça plus tard. Parce que déjà le PC, je le commande dans quelques jours, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas commandé. Donc je verrai ça pour la prochaine vidéo, je verrai ça plus tard. Et donc vous pouvez voir, je vous parlais un petit peu plus de ce que je suis en train de faire. Je joue à Skate 3 pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Enfin, je vais changer de map. On va aller par là. J'aurais trop trouvé le premier endroit que j'avais trouvé, mais je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Pour ceux qui voudraient jouer avec moi sur Counter-Strike Global Offensive, je veux bien. Ça va être... faut savoir un truc, c'est qu'il faut jouer sérieux. Enfin, parce que je joue avec mon cousin essentiellement, et puis on joue très 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 sérieux à Counter-Strike. Donc moi, je veux juste... si vous voulez juste jouer avec moi, il n'y a pas de problème. Donc je vais donner mon idée Steam, puisque je suis un peu concentré sur le jeu. Enfin, donc mon idée Steam, c'est AftersGamer49. Si vous trouvez pas, dites-le moi dans les commentaires, puisque je sais pas s'il faut mettre le nom d'utilisateur ou le pseudo. Donc soit c'est AftersGamer49 ou un autre que je vous dis. Enfin, vous dites-moi dans les commentaires simplement. Ajoutez-moi sur Steam et puis on pourra jouer ensemble à des jeux. Que ce soit du Counter-Strike, Global Offensive, comme ça peut être des anciens Counter-Strike, hein, pas de soucis. Hein. Je possède des jeux assez... Enfin, j'ai pas énormément de jeux. Hein. Je possède genre Team Fortress 2. Par exemple, j'ai Garry's Mod que je ne pourrais pas jouer vu qu'il fait que de cracher. C'est pour ça que je suis prêt d'avoir mon PC. je pense que je vais dire un peu la config. Sauf que je n'ai pas de tête. Je connais, il y a juste le processeur, je crois que je n'ai pas retenu, et le boîtier. Bon, déjà, je peux déjà dire que pour la carte graphique, il y aurait une Nvidia GeForce 750 Ti avec 2048 MB
de DDR5, je crois, je sais plus. Ouais, ça fait assez longtemps que j'ai pas regardé ma config, enfin ma nouvelle config que je vais avoir. Y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi? En fait, ouais, faut trop. Enfin, je vais essayer de voir. Enfin, au pire, je le redirai dans une autre vidéo quand j'aurai mon PC. En tout cas, je ferai une vidéo quand j'aurai mon PC. Je vais vous montrer, vous dire toute la config, hein, vous inquiétez pas. D'accord. Mec, imaginez, il est apparu en mode fantôme, il fait trop flipper. Donc, comme ça, je pourrais m'acheter d'éventuels jeux. Par exemple, je compte vraiment. Enfin, si. Bon, quand j'aurai mon PC, déjà, il faudra que je m'achète à plusieurs accessoires. Par exemple, un nouvel écran, parce que mon écran, faut l'avouer, il est tout pourri. Voilà. Un clavier, un nouveau casque, parce que. Il est tout pourri, mon casque Triton Kunai, il est fait que pour la PS3, mais autrement il est tout pourri pour ce qui est de Counter-Strike, enfin tout ce qui pour ce qui est PC, c'est pourri. Donc je pense m'acheter un casque, une souris et un clavier, enfin on va dire tous les accessoires, mais bon, je pense que je réunirai pas tout d'un coup. Enfin, je m'achèterai une souris, puis je sais pas combien de temps après un clavier, enfin voilà, je verrai ça plus tard. Mais je pense que la priorité déjà c'est le PC et l'écran, parce que mon écran il c'est du PC. Enfin, comme tout écran, je pense, c'est moitié. Ils sont rectangulaires, on va dire. Moi, c'est carré, donc c'est très très moche. Enfin, carré, je sais pas trop. J'ai pas envie de compter. Enfin, je crois que ma résolution, c'est du. C'est du quoi déjà? Je sais plus. Je sais plus la résolution. Je crois que c'est du 1940 ou du 1980 par du. Par du je sais plus combien non plus. Je ne sais plus, je crois que c'est du 720 ou je sais plus, 400, bon, je sais plus. Enfin, bref, en plus là j'ai un clavier, bon, un packabel tout pourri, une souris que j'ai depuis des années. Et puis voilà. Puis en plus, le nouveau PC, ce qui est bien, c'est que il est assez bien. Oula, j'ai un peu mal à la gorge. C'est que j'aurai 8 Go de RAM, c'est à dire que pour les vidéos avec le gâteau, bah je pourrais faire tourner en 1080p, hein. En 1080p, ce qui est pas mal pour les vidéos. D'accord, oui, j'arrive pas à passer par-dessus. Je vais changer un peu d'endroit parce qu'en fait je parle, mais je ne vous présente pas vraiment le jeu, même si c'est juste une petite vidéo détente. Alors, juste regarder où est-ce que je vais. Il est là. je sais plus quoi dire après. Je me suis dit ça tout à l'heure, j'ai fait mais qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Ça fait 2 semaines que j'en ai pas présenté. Alors je m'excuse hein, pour ces 2 semaines sans vidéo. C'est juste que je ne trouvais pas l'inspiration, on va dire. Plus normalement dans pas longtemps, je pense la semaine prochaine faire une vidéo sur Counter-Strike. Ça pourrait être sympa. J'essaie d'en faire, c'est pas sûr du tout. Je vais mettre un petit marqueur là, voilà. Je vais m'éclater, c'est pas grave. Voilà, le marqueur. Donc je ferai des vidéos Counter-Strike. Hein. Aussi, je compterai, enfin, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, après tous mes accessoires, ou peut-être juste l'écran, je m'achèterai peut-être un jeu survival zombie, donc comme DayZ. Soit DayZ, ou alors j'ai remarqué sur un site qui vend des clés. Donc vous devez connaître, c'est King One, je crois. Il vend une clé WarZ Infestation, là, enfin le Infestation Story. Là. Il le vend pour seulement 4,99€, c'est pas cher. Au lieu de, je crois, 20-15€, je ne sais plus sur Steam combien il est. Enfin, vraiment, les jeux dessus mais ne coûtent pas cher. C'est un truc de malade. Je vous conseille vraiment ce site. Je le mettrai dans la description pour ceux qui voudraient. Ou alors, il y a un autre site. Il y a un autre site qui s'appelle. Goclay.com, je crois, qui vendent toutes les clés de jeu sur plusieurs sites. C'est à dire qu'il y a les prix, hein, et les prix de plus. Et il y a des prix très très bas. Genre, par exemple, vous pouvez trouver Garry's Mod à 3,60€. Et puis en défilant un petit peu, il y a plusieurs sites qui vendent à différents prix. Et ça va de minimum en maximum, c'est à dire que le jeu vous pouvez le trouver à 3,61€, comme tout en bas de la page, le trouver à 15€, alors que sur Steam il est disponible à 9,49€. Franchement, ça fait de beaux économies, on va dire. Ouais, allez, je me suis fait mal. Ça fait des économies monstrueuses. Donc je pense faire mes achats Steam à l'avenir dessus.
En plus, c'est pas vraiment, c'est pas de l'arnaque, hein. J'ai un pote, il achète ses clés dessus, puis il y a plusieurs youtubeurs qui le font. Je pense à une vidéo genre de Capet le vrai qui explique Kingui. Il dit faites des économies avec Kingui, enfin ouais, en plus, c'est ça. Franchement, le site est génial si vous voulez vous acheter des clés pour pas cher. Et par contre, il y a deux systèmes. Oula. Deux systèmes pour avoir les jeux, c'est-à-dire vous achetez soit un Steam Gift, donc vous le recevez en fait un lien par mail et vous entrez vos coordonnées Steam, enfin voilà, et puis ça vous offre un cadeau, enfin ça vous offre comme si quelqu'un vous offre un cadeau, donc voilà, ou sinon vous avez directement la clé. Je vois pas trop la réelle différence, hein, parce que dans les deux cas vous avez le jeu, hein. Puisque à mon avis je crois que ça fait un truc dans les options. J'ai regardé ça par exemple, moi je suis allé dans mes options de paiement et tout pour voir mes options de tout là. Et il est marqué genre Call of Duty Modern Warfare 2 revendeur, c'est-à-dire que j'ai acheté dans un magasin. Il y a Counter-Strike Condition Zero que pareil revendeur, c'est-à-dire moi c'est un pote qui me l'a donné parce qu'il n'arrivait pas à l'installer. Enfin pas le Global Offensive, hein, les Conditions Zero et enfin voilà. Le Global Offensive je l'ai acheté sur Steam, donc il y a marqué magasin Steam, enfin voilà. Et je sais pas, pour mon avis, par cadeau, ça fait genre que vous l'avez pas acheté. Et je pense que c'est mieux de faire genre que vous avez acheté le jeu que de le recevoir en cadeau. Enfin, moi, perso, je préférais avoir ça. Je pense que ça va faire 11 minutes de vidéo. Elle est pas très longue, hein, vous inquiétez, c'est pas de ma faute. Puis le montage il va être long, mais dans pas longtemps, je pense qu'avec le PC que je vais avoir, le montage sera moins long. Ouais. Allez, une petite roulade. Puis sur ce, les amis. On se voit à la prochaine, allez, ciao bye tout le monde.